C'est ça, dans un pays démocratique, quand on n'est pas content, pacifiquement on marche, on organise des cités pour se faire attendre. C'est ça la démocratie. Et c'est pour elle que nous luttons. Et ce midi, je dirais, ce matin, nous sommes tous les Ivoiriens. Voilà, chacun dans son parti politique est venu dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Nos responsables vont tout à l'heure intervenir, vont tout à l'heure porter la parole à notre nom, afin que l'opinion nationale, internationale, puisse attendre nos cris. Mesdames, Messieurs, je vais passer ce crachoir à un grand homme, celui à qui le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le premier parti de notre pays, a fait confiance pour diriger ses activités ici en Italie. Il est le président du comité d'organisation, il fait partie des initiateurs de cette manifestation que nous vivons. Voilà, merci. Sur notre condition, on devait chanter l'hymne, mais vous l'avez déjà fait. Donc on ne va plus revenir. On va donc aller directement. Et celui donc à qui le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le premier parti en Côte d'Ivoire, a fait confiance. Il est aussi le président du comité d'organisation de cette manifestation. Mesdames et messieurs, avec votre permission, j'invite ici Monsieur Amani Jacques, délégué général du PDCI RDA Milan. C'est bon comme ça? Ça arrive, ça arrive. S'il vous plaît, pardon, je suis en train de m'occuper de... Je suis en train de m'occuper de... Alors, attendez un second. Chers frères ivoiriens, chers frères, chères soeurs ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, au nom des organisateurs de cette cérémonie, nous vous remercions pour votre présence massive. Notre présence, notre mobilisation à cette place historique à Milan, en Italie, procure à nous une satisfaction de retrouvailles et en même temps, nous procure des douleurs. Des douleurs qui expriment une colère envers une personne. Cette personne qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire, et même par lequel tout le malheur de la Côte d'Ivoire est arrivé. Et malheureusement, le malheur de la Côte d'Ivoire persiste. Cet état de fait, nous ne le disons pas assez. Et nous pensons que nous devons le dire maintenant haut et fort. Monsieur Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Souvenons-nous à la disparition du président Houphouët-Boigny. Il a voulu violer notre constitution en son article 11 qui disait que si le président de la République venait à manquer, si le mandat restant ne court pas plus de 3 ans, le président de l'Assemblée nationale était le légitime successeur. Il a fallu des hommes, des femmes, des civils, des militaires, des tous un seul homme pour faire avancer ce plan. Mais le monsieur n'a pas abandonné. Il a continué en usant stratégiquement et de façon insidieuse des stratégies, des propos, en prenant en otage nos parents du Nord pour une cause qui n'était pas les leurs. Pour une cause qui n'était pas la leur. La cause du Nord n'a pas été défendue aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Vérité. Il nous a floué. Il a floué tout le monde. Il a profité de la crise de 2002. Il a fait signer des accords partout dans toutes les capitales du monde. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu le président de la République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il veut violer encore notre constitution en ses articles clés pour se maintenir au pouvoir. S'il a foulé tout le monde,
c'est parce que nous étions divisés. S'il a trompé tout le monde, c'est parce que nous ne sommes pas compris. Aujourd'hui, notre présence ici, à Abidjan, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire et dans les grandes capitales du monde entier, pour dire non au troisième mandat, est une démarche légitime. Un peuple a le droit de se soulever, de dire non quand il faut dire non, et de dire oui quand il faut dire oui. Chers frères ivoiriens et ivoiriennes, ce n'est pas la présence de quelques pantins sur l'esplanade de la cathédrale à Abidjan, ni les propos pleins de balbutiements sur des télévisions étrangères qui vont faire changer les Ivoiriens dans leur position du non et du non au troisième mandat. Ivoiriens, Ivoiriennes, amis de Côte d'Ivoire, vu son résultat politique à la tête de la Côte d'Ivoire, résultat politique et social, nous pouvons conclure que M. Alassane Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. S'il aimait les Ivoiriens, il n'allait pas contraindre ses fils à l'étranger. Nous pouvons même dire qu'Alassane Ouattara aime la Côte d'Ivoire, mais il n'aime pas les Ivoiriens. Merci là-bas. Il aime la Côte d'Ivoire, et ça veut beaucoup dire, mais il n'aime pas les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Comment peut-on accepter de taillader des pauvres manifestants parce qu'ils vont manifester librement et en même temps la police encadre des gens qui en principe n'ont pas demandé l'autorisation de manifester? Levons-nous donc ensemble pour dire non à la perfidie. La Côte d'Ivoire a trop souffert, notre pays a trop souffert. L'appel d'aujourd'hui est de demeurer ensemble comme un seul homme pour dire non et revendiquer notre droit à la démocratie, à la paix, au développement en Côte d'Ivoire. Merci pour votre présence et je souhaite que nous chantions l'hymne, non, 1000 générations, le travail de 1000 générations. Camarades, très doucement, en live, non, faut pas couper. Ensemble. Et paraîtra devant les nations. Dans tout l'état de savoir, telle est son unique destinée. Lui sera le bien, de son mort pour la défendre. Et moi je vivrai pour l'aimer. Merci. Voilà, merci. On applaudit très fort notre président du comité d'organisation et fait partie des initiateurs de cette manifestation que nous vivons ce matin. Mesdames et messieurs, nous ne voulons plus monopoliser la parole parce que vous êtes là depuis 7 heures. Il faut rapidement écouter les intervenants, le message qu'ils ont à nous véhiculer. Mais avant, nous avons des invités, c'est-à-dire des étrangers, des partis politiques d'Italie, qui sont représentés ce matin et qui veulent nous apporter leur soutien. Permettez que on leur donne un temps soit peu notre crachoir. Marco va rester là, ou bien si tu veux, tu fais encore ce coup à la dame, parce que peut-être ceux qu'on va annoncer vont intervenir en italien, il faut quelqu'un peut-être pour traduire. Mais est-ce qu'on a besoin de traduire? Tout le monde comprend l'italien, non? Voilà, merci. Nous allons inviter madame Elisa Ratti, elle est membre de la direction nationale du Parti Socialiste Italien. On l'applaudit très fort. Merci. Venez à côté d'elle. Mettez-vous à côté d'elle. Zouzou. Queste ore riunito a Napoli in direzione nazionale. Sono qui per testimoniare il nostro impegno in Italia come altrove nel dare voce a tutti coloro che vengono negati i diritti e interessi fondamentali. È nel nostro statuto l'impegno per un rafforzamento continuo della democrazia rappresentativa, per dare più credibilità alle istituzioni e per consentire ai cittadini, attraverso il voto libero e segreto, di scegliere una politica, un partito, i rappresentanti. In Italia noi ci stiamo battendo per il referendum e siamo per il voto contrario a questo referendum che ridurrà la nostra rappresentanza.
La Costa d'Avorio si è data una nuova costituzione e questa è una bella cosa. In marzo il nostro presidente Ouattara aveva detto che è giusto far largo ai giovani e lasciare che le giovani generazioni facciano la politica. Bene, non si può interrompere il cammino che è avviato. Si può negare a una nazione di affermare la propria identità e sedere a testa alta al consesso internazionale? Monsieur Ouattara, écoute-moi, la Constitution n'est pas auto-jouée. La Constitution non est un gioco, la Constitution non est solo un pezzo di carta, la Constitution deve trovare realizzazione nella vita quotidiana e per questo noi socialisti siamo al fianco nella vostra battaglia. Signor Presidente Ouattara, non faccia ricadere la Costa d'Avorio nel passato, un passato tristissimo. Vogliamo vedere il futuro di questa bellissima nazione che ha una storia importante e non è solo nota per le sue materie prime. La Costa d'Avorio ha un ruolo e deve continuare ad avere un ruolo importante nella storia dell'Africa e del mondo. Grazie! Infine è importante che si mantenga uno spirito di dialogo, di confronto. Sia Ouattara in questo caso esempio per tutte le altre nazioni. Lasci questo desiderio del terzo mandato, lasci che la sua nazione possa svilupparsi. Quindi ancora un invito affinché rispetti la Costituzione e dia vita alla riforma costituzionale appena approvata. E a voi, amici cari, l'auspicio e il desiderio che la vostra ricerca di giustizia e di libertà che vi anima sia sempre sorretto dal desiderio della pace. L'unità del paese a cui tutti voi anelate si persegue praticando la solidarietà, la riconciliazione, la tolleranza e la giustizia sociale. Viva! Voglio ricordare in questo il nostro amatissimo presidente Partini, che era sempre al fianco di chi lottava per la libertà, la giustizia e la pace. Grazie a tutti voi, coraggio e chance! Grazie. Merci à Mme Elisa Rati du Parti Socialiste. Elle demande juste, ce qu'elle disait en italien, le respect de la Constitution. Elle demandait à M. Alessandro Ouattara de respecter la Constitution. Et aujourd'hui, elle se porte garant qu'ils sont avec nous dans ce combat, qu'ils nous soutiennent et qu'on ira ensemble jusqu'à ce que Monsieur Draman Ouattara puisse respecter la constitution qui fera de lui dès demain l'ex-président de l'État de Côte d'Ivoire. Ivoirien, Ivoirien, ça s'applaudit déjà. Alors comme vous le savez, cette bataille, ce combat, c'est sur trois fronts. Nous avons le front politique, le front spirituel et le frein de la communication et de la diplomatie. Alors, nous avons associé à cet événement des partis politiques ivoiriens, italiens, excusez-moi, des partis politiques italiens qui adhèrent, comme tout bon démocrate, au respect de la Constitution. Permettez que j'appelle ici Madame Myriam Ismaël. Elle est de la communauté somalienne, représentante du mouvement démocratique et des combattants de la Somalie. On l'applaudit, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Merci, bonjour à tous. Parlo in italiano perché il mio francese è terribile. E sono qui. Come somala, perché io credo che l'Africa deve essere presente a tutti i momenti importanti per la nostra democrazia, per il nostro futuro e per i nostri giovani. Quello che io voglio portare è l'esempio del mio paese, che da 30 anni è in guerra civile, e quello che io non voglio augurare alla Costa d'Avorio, sì, alla Costa d'Avorio non la voglio augurare a nessun altro paese africano. E quindi fate tutto quello che potete,
con gli strumenti della democrazia e della pace e non, non date ascolto a reazioni e risposte violente, perché è quello che vogliono. È dagli anni 60, dalla nostra indipendenza africana, che si è sempre combattuto con la forza un diritto naturale che è sempre stato nella nostra tradizione africana e nella nostra cultura africana. Riprendiamo quello, riprendiamo il fatto che donne, giovani, anziani, uomini possono camminare insieme come oggi stiamo facendo, e che l'esempio... E che l'esempio del mio paese, che ha scelto di usare la guerra per avere il potere politico, possa essere un monito, un'attenzione per tutti quanti. Quindi al presidente Ouattara dico: non faccia come Siad Barre, perché Siad Barre, che non volle andarsene via dalla Somalia, ci portò la guerra civile in casa. E quello che mi spaventa di più da Somala oggi, che soffre la mia gente per il terrorismo islamico di Al-Shabaab, non succeda in Costa d'Avorio, come sta rischiando il Mali, come sta rischiando tutta quella parte dell'Africa occidentale. Sappiamo noi cosa significa vedere i nostri figli, le nostre donne e i nostri uomini morire per niente. Quindi costruiamo insieme l'Africa, costruiamo insieme la Costa d'Avorio, anche con una piccola goccia africana e somala che io oggi porto a voi. Vi abbraccio, forza e coraggio. Allora, elle vous disait merci pour le combat il est noble. Donc vous avez le soutien de tout le peuple de la Somalie. Alors, une information avant que je laisse le micro à mon co-animateur. J'ai reçu un appel tout à l'heure, dans les minutes qui vont suivre après l'intervention de toutes les autorités. Vous allez recevoir un monsieur qui fait partie du mouvement M5 de Bamako, du Mali. Il est venu socialement pour nous soutenir. Et nous aurons aussi l'intervention d'un ami panafricain du Cameroun. Ils sont aussi là avec nous, Ivoiriens. Ça s'applaudit, chers Ivoiriens, tout à l'heure. Voilà, merci Mako. Merci. On applaudit très fort. On va faire intervenir une grande dame. Elle a effectué le voyage ce matin, elle vient de la Suisse. Elle est ivoirienne. Elle s'appelle Marie Kossa. Elle est de la direction du parti ADN, Alliance pour le Développement Nation. C'est ça, non? Pour le Développement National. Voilà. Merci, maman. On l'applaudit très fort. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, chers Ivoiriens. Merci de votre présence aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui, pas au nom d'un parti. Comme je l'ai dit le week-end dernier en Suisse, à Genève, nous sommes là aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et jusqu'au 31 octobre, si rien ne change, nous serons là encore pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le jeune Loceni qui était passé tout à l'heure, qui a demandé pardon publiquement aux Ivoiriens. Oui, Guillaume, sans être de son parti, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui sont des chrétiens, il y a l'enfant prodige. Cet enfant qui est parti très loin de son père, qui a tout dilapidé, qui a tout perdu, et qui revient aujourd'hui auprès de son père pour dire: Père, j'ai péché, je te demande pardon. Dibaveri, vous demande pardon. En tant que roi, en tant que fille du pays, en tant qu'ivoirienne, acceptons le pardon de Dibaveri Guillaume. Et moi aujourd'hui, je lui dis: Frère, tu es pardonné. Malgré tout ce que j'ai subi dans ma région, tu es pardonné. Le message que je vous apporte aujourd'hui, chers Ivoiriens, je vais dire merci à tout le monde parce que nous avons tous des occupations. Merci parce que nous sommes là aujourd'hui pour une chose, pour la défense de notre constitution. La campagne n'a pas commencé. Elle ne commencera pas tant que cette constitution n'est pas respectée. Jusqu'au 31 octobre, dites non à Alassane Ouattara, revenant à la table de la négociation, parce que la constitution doit exister et elle doit le rester. Non à Alassane Ouattara,
parce qu'il nous avait demandé 5 ans, il nous a demandé 10 ans, nous lui avons demandé. Il nous a pondu une deuxième constitution, nous l'avons acceptée, malgré nous l'avons acceptée. Il faut qu'il l'applique aujourd'hui. Alassane ne va pas continuer à nous trahir. Alassane ne va pas continuer à nous tromper. Alassane ne va pas continuer à nous faire marcher. Qu'il soit reçu par Macron, qu'il soit reçu par je ne sais qui d'autre. Non. Non, parce que la parole de Macron n'est pas plus importante que la Constitution. Non, parce que la parole de Macron n'est pas plus imposante que la Constitution. Tous ceux qui veulent aujourd'hui diriger ce pays, qu'ils respectent la Constitution. Et vous allez remarquer, il y a un syndrome qui s'empare de l'Afrique. C'est le syndrome du troisième mandat. Remarquez-le, les signes, l'âge, la gouvernance, le devenir. Et la gouvernance est laquelle? Si vous avez fait une bonne gouvernance, votre devenir sera radieux. Si vous avez fait une mauvaise gouvernance, votre devenir sera mauvais. Et voilà ce que nous pouvons dire à ceux qui défendent aujourd'hui la Constitution. Nous avons combattu pendant des années, nous devons garder cette Constitution. Aujourd'hui, j'avais les larmes aux yeux lorsque j'ai écouté le petit Loceni. J'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, depuis fort longtemps, nous avons défendu une chose qui est la Constitution. Résister, quel que soit le nombre de morts, résister. Parce que nos parents ont résisté en 1946, parce que nos parents ont résisté, les Français ont résisté en 1792, 94. Ils ont résisté, face à l'ennemi. Nous allons résister. Le seul message que je vous donne, c'est la résistance. Dans la résistance, dans la démocratie. Merci. Bientôt, nous allons nous diriger vers la Côte d'Ivoire pour dire non, Alassane, nous t'avons donné tes 10 ans. Nous t'avons donné la Constitution. Nous l'avons acceptée. Appliquons-la et rentre chez toi. Le Nord n'a pas de problème avec l'Est. Le Nord n'a pas de problème. Qui n'a pas mangé le riz d'un nordiste? Qui n'a pas un nordiste dans sa famille? Mes enfants sont de Makono. Je ne tuerai jamais quelqu'un du Nord. Parce que mes enfants sont de Makono. Je ne tuerai jamais quelqu'un du Burkina. S'ils respectent ma constitution, parce que mes nièces et neveux sont burkinabés. Merci les Ivoiriens pour votre défense. Ça s'applaudit très fort. Le message est fort. Il vient d'une femme. Oui, les Ivoiriens, pour mener ce combat, on doit être unis. Unis, nous sommes forts. Là où tu as arrêté, à côté de toi, se trouve un Korogolais. Un Odioneka, un Bété, un Baoulé, un Bourreau. C'est ensemble que nous sommes forts, chers Ivoiriens. Sachez que ce combat-là, il n'est plus que politique. Et soyons forts pour le gagner. Merci madame. Je rappelle, elle s'appelle Marie Kossa. Elle a fait son intervention au nom de ADN. Nous allons... Est-ce que je fais cela? Je fais de Soro Diomela. Est-ce que je fais de Soro Diomela? Elle s'appelle Brigitte Poplaré et le délégué Europe du GPS. Fiers Ivoiriennes, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons de la paix, ramenez la liberté. Voici les deux phrases de notre hymne national qui nous rassemble ici ce soir. Oui, le pays nous appelle parce qu'il est en danger. Oui, nous avons répondu, vêtus de blanc ce matin parce que nous sommes épris de paix. Mais nous sommes là pour aller récupérer, restaurer les libertés qui nous sont volées et violentées. Peuple de Côte d'Ivoire, oui, nos libertés qui ont été acquises à un grand prix, au prix du combat de nos grands-parents, au prix du combat de nos pères et mères, au prix du combat de nos aînés, ces acquis de la démocratie sont en train d'être bafoués, piétinés, tripotés, emprisonnés, pris en otage, violentés et violés en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour dire que la Côte d'Ivoire, oh, prince Côte d'Ivoire, taux d'hospitalité, tu es devenu comme premier centre propriétaire de la mer des gens. On considère la Côte d'Ivoire comme pour les sans propriétaire. Mais nous sommes là pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas pour les sans
propriétaire. La Côte d'Ivoire a un propriétaire et c'est le peuple ivoirien que nous sommes. La Côte d'Ivoire a un propriétaire, c'est la population de la Côte d'Ivoire, du nord à l'ouest, de l'est au sud, au centre. Et nous sommes là ce matin pour dire que ce pays nous appartient et que comme le dit notre hymne national, nous sommes là pour nous défendre, pour restaurer nos libertés bafouées. Peuple de Côte d'Ivoire, ce matin, nous sommes beaucoup, parce que tous les partis de l'opposition, nous sommes unis comme une seule personne. Je ne vais pas trop parler parce que mes collaborateurs, chers, mes frères aînés sont là. Ils vont s'étaler sur plusieurs aspects. Mais permettez ce matin que moi je prenne seulement deux aspects. Le premier, la liberté des femmes. Les femmes de Côte d'Ivoire se sont levées pour défendre la nation parce que l'histoire nous enseigne que quand ça ne va pas dans le pays, quand les hommes sont tués, emprisonnés, le dernier recours c'est la femme. Quand elle se laisse, même le plus grand Satan fléchit chez nous. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, la femme, donatrice de vie, s'est levée, mais le Satan n'a pas fléchi chez nous. Il les a pris, il les a mis en prison. Nous sommes là ce matin, au nom de toutes les femmes de l'Afrique et de Côte d'Ivoire, pour dire à Ouattara de libérer nos femmes, de libérer nos mamans, de libérer nos soeurs, de libérer les femmes qui se sont levées au menu, rien que pour dire, laissez tranquille la Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas de sang qui coule encore, nous ne voulons pas que vous puissiez tout particulièrement contre la situation. Notre union fondamentale, le sang de notre pays. Voici ce que j'ai commis comme crime. Et à la fin, les emprisonnés, elles sont en prison. Je prends la parole ce matin, au nom des femmes de ce PS, de Côte d'Ivoire, d'Italie même, et de la AE du monde entier, pour dire non, non, non à la femme Ouattara, non à la violence sur les femmes, non à la violence sur la femme. Frères et sœurs, regardons là où est arrivée l'animosité de ce pouvoir moribonde. Regardons là où est arrivé l'indifférence, l'humanisme de ce pouvoir moribonde. Il n'y a aucune crainte même de la fatalité. Ça, c'est le deuxième point. Dieu juge sur cette terre-là, après le social, la politique, etc., il a établi ses représentants sur nous. La preuve en est que, même si tu n'es pas né, tu es pauvre, quand tu es sur le lit de demeure là, on appelle un homme religieux pour que tu confesses, on te donne la possibilité de parler pour que tu, avant que tu ne meures. Parce que la religion, qu'elle soit imam, qu'elle soit musulman, catholique, protestant, ils sont établis au-dessus de tout être humain. Ils sont établis au-dessus de toute institution. Mais Ouattara et son gouvernement, Ouattara et ses amis, Ouattara et ses frères qui ont pris en otage la Côte d'Ivoire, qui ont pris en otage les peuples ivoiriens, qui ont réduit au silence les fils et filles de Côte d'Ivoire, sont allés jusqu'à aller défier le créateur du ciel et de la terre. Ils sont en train de défier le souverain créateur, le Dieu qui est très haut. Parce qu'ils ne considèrent pas l'homme, ils ne considèrent rien. On n'a pas de valeur à leurs yeux. Jusqu'à aller sur une terre sacrée pour répondre à un homme de Dieu. Jusqu'à aller braquer des imams pour les mettre en prison. Nous disons non, non à cela, non à cela. La religion, elle est importante pour tout être humain. Elle est importante dans n'importe quel pays. Que Alassane ne puisse pas inculquer à nos enfants, à nos petits-enfants, le non-respect de la chose sacrée. Nous disons non à cela. Parce que si nous laissons passer cela, ça veut dire qu'ils sont en train d'enseigner à notre postérité que la chose sacrée n'a pas de valeur. Nous disons non, non et non. Peuple de Côte d'Ivoire, frères, patriotes ivoiriens d'Italie, merci d'être venu. A fini pour finir le propos, selon qui est en son nom, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté l'union. Je vous dis merci. Merci à toute l'opposition qui a accepté de faire taire nos différents, de faire taire tout ce qui nous oppose. Parce que ce qui nous lie est plus fort que cela. Et ce qui nous lie à ce jour, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire, du peuple de Côte d'Ivoire. Merci que le combat continue. Vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous voulez la céder ?
femmes, quand elles sont là, on est content. Quand tu mènes un combat que la femme n'est pas dedans, c'est un faux combat. Est-ce qu'on peut applaudir les femmes, s'il vous plaît? Nos mamans qui sont sous ce soleil, nos mamans qui sont là pour dire non à Ouattara, nos mamans qui sont là pour dire non à ce troisième mandat, Toto, applaudissez-vous, 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 applaudissez-vous. Merci. Mesdames et messieurs, les gens sont en train de faire des directs sur leur page. Nous avons des journalistes qui sont là. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre la marche, nous sommes en Italie. Et les Ivoiriens et les Africains vivant en Italie ont décidé de parler à M. Alassane Ouattara aujourd'hui. Oui, à ce sitting, nous avons le GPS, le FPI, le COGEP, le RACI, le LEADER, le PDCI RDA, LEADER en Italie, UNG, FIDOP, CDRT Europe, EDS, tous ces mouvements sont réunis ce matin pour dire quoi? Non! Pour dire quoi? Alassane, pardon, nous n'avons rien contre toi. Nous voulons juste te dire, ne fais pas ce troisième mandat, il n'est pas constitutionnel. C'est tout ce que nous voulons te dire. Il ne faut pas gâter le pays que tu dis tu aimes tant. Pardon, s'il te plaît, il faut nous comprendre. Mesdames et messieurs, nous allons inviter un parti, un grand parti de la Côte d'Ivoire. Ce parti qui est toujours à sa place, oui, et lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, si nous parlons, aujourd'hui, si nous avons plusieurs partis en Côte d'Ivoire, parce que son leader s'est levé un matin et il s'est battu pour la démocratie. Et il a gagné le combat depuis les années 80. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il souffre, il est en prison. Mais les autres Ivoiriens qui n'avaient pas compris hier sont en train de comprendre son combat et aujourd'hui nous voici ici. On est tous réunis. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, voici pour vous le représentant du Front populaire ivoirien, monsieur Théodore Yaya. Merci, camarades. Avant de commencer mon propos, je voudrais que toute l'Assemblée ici réunie, ensemble, nous observons une minute de silence en mémoire de ceux qui sont tombés durant cette crise préélectorale qui est actuellement en cours. Merci. Comme vous l'avez déjà entendu sur ce plateau, nous sommes réunis ici parce que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au pays. Donc mon intervention va se situer au niveau de trois points. Je vais d'abord parler de l'homme Ouattara. Ensuite, pourquoi nous ne voulons pas le troisième mandat. Et puis enfin, essayer de conclure par des propositions pour que la Côte d'Ivoire puisse s'en sortir dans un climat apaisé. Donc, je commence par le président Dramane Ouattara. Vous saviez que depuis qu'il est sur la scène ivoirienne, nous passons de crise en crise. Depuis 90, qu'il est arrivé au pouvoir en tant que premier ministre, et que le président Houphouët-Boigny était décédé, il a voulu torpiller la constitution pour prendre le pouvoir. Et là, c'était face à Bédier. Ensuite, nous avons eu le coup d'état de 99. Il était encore à la base, parce que nous avons des informations, nous avons des indices, nous avons des preuves. En 2002, le coup d'état, les instigateurs, ceux qui ont fait ce coup-là, ont dit qu'ils le faisaient à cause d'Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui les a envoyés. Nous avons les preuves et nous sommes prêts à le démontrer. En 2010, il est encore à la base. Et en 2020, c'est encore le même Ouattara. Donc, comme vous le constatez, Ouattara, il a un problème avec la Constitution. C'est-à-dire que lui, pour venir au pouvoir, il faudrait qu'il essaie de torpiller la Constitution pour être au pouvoir. Et là, nous ne pouvons pas accepter cela. En 1995, il a voulu prendre le pouvoir au-dessus de Houphouët-Boigny en torpillant. En 2000, il a voulu aussi, il a dit si il ne prenait pas le pouvoir en Côte d'Ivoire, il frappera au cœur de ce régime qui était en place et il tombera.
Donc comme vous voyez, il a toujours manipulé la constitution et en 2015, il a essayé de dériver deux fois pour être encore candidat. Donc lui, quand il veut être candidat, il faut toujours essayer de faire quelque chose sur la constitution. Parce que déjà quand on dérive deux fois pour ceux qui ont fait les mathématiques, ça veut dire que la fonction elle-même, elle ne peut rien faire tant qu'on ne la dérive pas. Donc Ouattara, il a un problème avec la constitution. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire que c'est les autres qui sont en face qui essaient de créer la violence, quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je voudrais dire sur ce monsieur Ouattara. Il a un problème avec la constitution. Il faut qu'il touche toujours la constitution pour être au pouvoir. Maintenant, pourquoi nous disons non? Ouattara nous dit, en fait, qu'il ne devait plus se représenter. Mais à sa grande surprise, le candidat du RHDP, qui était Amadou Gon Coulibaly, est décédé. Et donc, il n'a pas le temps pour former un autre cadre. Nous disons que quand on a échoué, on dégage. Tu as eu 10 ans. Tu as formé autour de toi des jeunes. Pour être président de la République, on n'a pas, besoin d'aller à la Sorbonne. C'est des gens qui ont appris. Donc, il t'a fallu 30 ans pour former Amadou Gon Coulibaly. Et aujourd'hui, parce que Gon est mort, il n'y a pas de cadre capable d'être candidat et donc toi, tu es candidat. Nous disons non, que trop c'est trop, parce qu'au sein du RHDP, si les cadres du RHDP ne sont pas en mesure d'être candidat, ça veut dire qu'ils ont échoué. Toute l'équipe du RHDP a échoué, il faut qu'ils dégagent, parce que c'est des incapables. Ils sont incapables de diriger le pays. Si vous allez leur donner 20 ans, ils ne pourront rien faire. Donc nous disons, Ouattara, nous ne pouvons pas accepter ce troisième mandat. Que tu ne peux pas venir devant les Ivoiriens dire que non, parce que Gon Coulibaly est mort, nous, je me représente. Non, nous ne sommes pas d'accord. Si vous n'êtes pas capable, vous dégagez. Il y a des Ivoiriens à tous les niveaux qui sont prêts à diriger ce pays. Voilà. Donc, quand on ne vient pas, on nous dit que Ouattara a raison, qu'il faut qu'il reste parce que Gon Coulibaly, il faut 4 mois. Non. Parce que où nous allons aujourd'hui, si nous laissons Ouattara dans cet état, il a même dit lors d'un de ses discours qu'ils sont là jusqu'en 2050. Déjà, ils disent que c'est le premier mandat de la Troisième République. Et là, c'est ce qu'on appelle torpiller la Constitution. Et depuis lors, nous disons aux chefs d'État africains d'arrêter de torpiller la Constitution. Peu importe, ils vont rentrer dans des débats techniques pour dire oui, voilà, il ne faut pas l'article 183, 55. Nous n'en voulons pas. Nous disons, quand c'est deux mandats, tu plies tes bagages et tu t'en vas. Parce que ce qui est en jeu, Ouattara est parti pour faire encore 20 ans au pouvoir, c'est ce que vous ne savez pas. Parce que l'un de ses discours, il a dit qu'ils sont là jusqu'en 2050. Donc, après la Troisième République, il aura la Quatrième République. Il va partir avec le pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, nous disons que Ouattara, trop c'est trop, il faut que tu partes. S'il n'y a pas de cadre aujourd'hui pour être candidat, il faut dégager. Quand on a échoué, on dégage, on n'insiste pas à rester là. Donc aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est pour dire non, nous ne sommes pas d'accord que Ouattara dégage. Voilà. Ils ne sont pas capables de diriger le pays. Maintenant, il faut qu'ils laissent la place à une autre équipe pour continuer la lutte pour que notre pays arrive à bon port. Maintenant, au troisième point, avant d'arriver aux solutions, je voudrais dire, on parle de violence. La violence en Côte d'Ivoire a été amenée par le RDR d'Alassane Ouattara. Quand des manifestants marchent au menu et qu'on met des jeunes microbes à leurs trousses avec des machettes pour les découper, il est bien entendu besoin aux marcheurs de se défendre. Ce n'est pas eux qui amènent la violence, c'est le RHDP qui amène la violence. Les jeunes avec les machettes qui découpent les gens, qui brûlent les voitures et ils mettent ça au compte de l'opposition. L'opposition n'est pas là pour créer le désordre, non. Nous disons non, trop c'est trop. C'est pourquoi, nous pour terminer, nous demandons le retour sans condition du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Qu'on lui remette son passeport. Que tous les leaders, Soro Kibabori Guillaume, Laurent Gbagbo, Blaise Goudé, Akossi Bengio, que tous les fils du pays, les exilés politiques, que tous les prisonniers militaires comme politiques soient libérés. Pour que nous ayons